C'est vachement bien, oui, l'indé du lundi. C'est pour les grands comme pour les plus petits. Se présenter par notre ami Jean-Mi. Ça, c'est l'indé du lundi. Bienvenue à bord, mes alligators. Vous avez l'équipe de l'indé du lundi. C'est pas des marraines d'eau douce. Il y en a toujours un pour donner un coup de pouce. Je vais les chercher. Oh, Mathias, mon Mathias efficace. Toi qui es si urbain, je sens que tu vas me filer un coup de main. Non, pas là, Jean-Mi. Je suis désolé, je suis sous l'eau, là. Oh, mon polo du boulot. M'aider, il faut. Il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider, là, ici. Non, j'ai déjà demandé, lui non plus. Oh, hé. Mon Damien, là, tu ne fais rien. Tu vas bien pouvoir m'aider. Non, mais Jean-Mi, tu vois bien qu'il est sous l'eau, lui aussi. Oh là 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 là, eh bien, puisque c'est comme ça, bande de rigolos, je vais vraiment y aller, moi, sous l'eau, non mais haut. Et pour succomber à cette tentation, quoi de mieux que Diluvion ? Luvion. Ah, voilà qui est rigolo. Mais ça ne fait pas avancer le topo. Pour vous le résumer, Diluvion veut vous transporter et les fonds marins vous faire explorer. Mais évidemment, naviguer dans ces eaux ne sera pas de tout repos. Pour motiver cette quête mystique, visez-moi d'abord cette direction artistique. Oui, c'est joli, ça envoûte même les mirettes, mes gentilles roussettes. Mais pour mieux assumer son identité, le titre se permet aussi, de point de vue, de changer. On passe alors de la 3D à une 2D proche du dessin animé, selon la situation rencontrée. Si le concept vous reste toujours étranger, permettez-moi de mieux l'expliquer. Oh, je suis à l'aise comme un poisson, mes moussaillons, parce que je suis en exploration. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai 3D. Mais attention, si je décide d'aller explorer, cette fois, un endroit plus précis, comme une table, eh bien, qu'est-ce qui se déroule? Hop, je n'ai plus que 2D. Jean-Mi, là, on voit l'autre dé. Non, mais vraiment, effet pourri, on n'a même pas de quoi manger à la cantine, je me casse, c'est la grève, t'as tout gagné. Allez, salut! Aïe, 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 décidément, l'équipage reste un élément important qu'il va falloir mettre en avant. Oubliez de nourrir vos camarades, et ils partiront en grève, mes jolis dorades. Oui, car au-delà de l'aspect exploration, Diluvion en a aussi dans le pantalon, à commencer par la gestion. Gestion de ressources, amélioration de votre sous-marin qui dépendra de votre bourse. Il va falloir rester dans la course. Bon, mais au-delà de toutes ces belles promesses, il va falloir que je vous parle d'une vérité qui blesse. Oui, Diluvion avait de belles ambitions, mais les voilà ruinées par sa réalisation. Une certaine idée de la répétition, des bugs à foison, à force, ça finit par sentir le poisson. Ses intentions étaient louables, mais allez, que diable! Diluvion était... indésirable. Je vous sens déjà tressaillir comme de jeunes lapins. Alors, lundi prochain, on oublie les fonds marins et on retourne dans le jardin. Mais attention, pas un jardin dégueulasse, non, non. Un jardin de l'espace. C'était lundi du lundi.